Allez, on commence. Donc, Bezrat Hashem, là, on reprend le Siman Shin Tet Vav dans le Shulchan Aruch. Donc, comme j'ai dit, je vais lire le Shulchan Aruch et l'expliquer sans entrer dans le Mishnah Berurah. Juste Shulchan Aruch Rama. Et chaque halakha, les maasés qui sortent du Saïf, donc je vais la dire BLP. Rivka Bat Esther, je crois. Elo Nishmat. Allez. Amen. Allez, on commence. Shin Tedvav Dvarim Asurim Mishum Oel Beshabbat. Donc, petite introduction. Oel, on a dit que c'est une dérivée de bonnet. Ça dépend en fait si c'est un Oel Keva ou bien si c'est un Oel Arai. Si c'est un Oel Keva, deux Tnaïm pour que ce soit Oel Keva, il faut que ce soit fait pour longtemps et il faut que ce soit bien fixé. S'il manque une des conditions, alors c'est pas Deoraita, c'est pas Oel Keva, mais ça s'appelle Oel Arai. Donc c'est qu'un Issur, uniquement Midrabanan. Donc en principe, dans ce siman, on va parler de Oel Arai, donc c'est un Issur des Rabanan. Autre introduction aussi, c'est de savoir qu'il y a, bien sûr, celui qui fait une petite maison, enfin une petite tente, c'est sûr que c'est un Issur des Rabanan, mais même s'il fait le gag uniquement dans le but de s'abriter, c'est aussi Issur Midrabanan. Ou bien s'il fait une mechitza, si elle vient permettre quelque chose, aussi c'est ce qu'on appelle mechitza materet, c'est aussi Issur Midrabanan. Mais s'il fait juste une mechitza, ouais, sikoum, et je reprends que le Shulchan Aruch avec alakha le maasé de chacun des saïfs. Donc ça c'est voilà, introduction, on va voir maintenant le Shulchan Aruch, saïf Aleph. Allez, saïf Aleph. Asur la'asot oel be'shabbat ve'yom tov, afilu ou arai. Donc il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Tov, bien que Yom Tov, on est censé être plus mekel en ce qui concerne le Ochel Nefesh, mais là, comme ça ne concerne pas le Ochel Nefesh, donc il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Tov, donc on n'a pas le droit de faire un Oel, que ce soit Shabbat ou que ce soit Yom Tov, même s'il est fait de manière arai, même si, donc pas d'une manière fixe. Vedavka gag, et c'est seulement le gag qui est interdit. Aval mechitzot, mutar. Par contre, quand je fais juste des mechitzot, oui, même si c'est pour séparer deux endroits entre les hommes et les femmes, ça va être mutar. Ven mechitza asura. Le seul endroit où on a vu que la mechitza est interdite, elle a imken naasit le atir souka ou le atir tiltul. C'est ce qu'on appelle mechitza materet. Pourquoi mettre la mechitza materet et la asura? Parce qu'on voit qu'elle a une chashivut de binyan plus chashuva qu'une mechitza standard. Une mechitza standard, c'est juste pour séparer deux endroits. Alors que la mechitza materet, comme elle vient me permettre quelque chose qui était asur, elle m'a transformé l'endroit en quelque chose de asur, en quelque chose qui est muta. Alors, elle a une chashivut beaucoup plus chashuva, et à ce niveau-là, les chachamim, ils ont dit, c'est plus chamour, et donc c'est interdit au même titre que le gag. Aga, aval, mechitza, anaasit, litzniut, bealma, charé, comme on a dit, ça vient pas être matir, ça vient juste séparer, par exemple, les hommes des femmes, ou bien séparer un couple d'un autre couple, et bien ça va être moutar. Velachen, moutar, litlot, vilon, lifne, apetach, afalpi, shekavua, sham. Donc c'est pour ça qu'on a le droit donc, de mettre un drap ou un rideau à l'entrée, même à l'entrée de la porte. À la fin du siman, on avait vu que la shita de Rabbeinu Hananel, c'est à l'entrée de la porte, c'était plus Ramo. Mais là, le Rama, et comme ça, on ne possède qu'à la Chalema assez. Quand tu mets un vilon, même à l'entrée de la porte, bien que ça fait office de porte, c'est pas stable, c'est dommage. Et porte, j'aurais pu croire que quoi, que c'est quelque chose de kavua. Donc peut-être on devrait être gozer, mais on dit non. Comme au final, ça vient pas être matir un endroit, alors c'est mouta, ce qui dit le Rama. La chen mouta, litlot vilon. L'ifna petar hakavana filou l'ifna petar. Afalpi chez kavouacha, bien que quoi? Bien que je vais le laisser là-bas pendant un mois. Mais on a précisé tout à l'heure, on a dit que quoi? Que comme c'est pas fixé, alors ça va être mouta. Vechen parochet l'ifna aron kodesh, pareil aussi devant l'aron kodesh, c'est mouta. Ou vilvad, chelo yase oel begag tefar. Comme on va voir aussi à la fin du siman, que dans la parochet, il faut faire attention, quand tu vas l'étendre, de ne pas faire en sorte que quoi? Que ça fasse un petit fraction de seconde. À un moment, il y a un tefar, ça on a dit que c'était une shéla, bemet, un peu, c'était un din un peu mechoudage dans le Shulchan Aruch. Comment? Non, mais ça, on a dit que aval lemaase karakato ba poskim. C'est un tefar, même pas un petit moment, mais un vrai tefar. Ah, ça c'est kol sheken que c'est assur. Ça c'est vadai. Même si c'est une parochet. Même si c'est une parochet. Pour ça que ces parochet, elles sont moutards parce que c'est uniquement vertical. Si bemet c'était une structure comme ça avec une barre, avec deux barres par exemple en haut, et je dois tendre la parochet et la mettre une tefar, ça c'est. Parce que Tefar, c'est gag. Ouais, mais c'est Shemnoï, je ne vais pas m'abriter dessus, en dessous, etc. Ah, Chazak, les Chowa, qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est juste les Shemnoï, je ne m'abrite pas. Réponse? Alors, on a dit que même un gag, si je le fais les Shemnoï, c'est moutard. Et ne me réponds pas parce que je l'attrape à la main, parce que là, c'est posé sur des barres. Réponse? Parce que ici, je fais et les Mechitzot et le gag. Le cas où il a dit, Eli, que c'est juste
que si je fais un gag juste les chemnoy, c'est seulement dans le cas où je mets que le gag. Là, je fais tout. Alors, faire tout, là, c'est un problème. Mechita plus gag. OK? Après, il continue le Rama. Vechen mutar la sot mechita lifne achama o atzina o bifne anerot shelo yechabe otan aruach. Donc, on a le droit aussi donc, de faire une mechita pour se protéger du soleil ou bien du froid atzina o bifne anerot shelo yechabe otan aruach. Je vais mettre donc une mechita devant les nerot pour pas qu'elle s'éteigne. C'est mutar. Pourquoi c'est mutar? Parce que c'est tout simplement une mechitza, et c'est pas une mechitza materet. C'est pas qu'il y avait un endroit interdit et que maintenant je veux... Ah, mais tu vas me dire, mais ici c'est pour m'abriter. Arrête, il fait ça devant le soleil. Réponse, c'est qu'une... C'est une mechitza. Mechitza, ce qu'on a dit. Et la différence entre le toit et la mechitza, c'est que le toit, pour s'abriter, non seulement c'est pour, si c'est pour être matir, c'est assur, mais même pour s'abriter, c'est assur, mais la mechitza, pour s'abriter, c'est mouta. Aval asur lasot mechitza bifne oraner kedesh yeshamesh mitato. Maintenant, s'il va faire une mechitza pour faire la mitzvah avec sa femme, devant un ner, chose qu'on n'a pas le droit de faire, donc là c'est une mechitza, ce qu'on appelle mechitza materet. Et donc c'est asur. Après, on va voir la halema, c'est un autre. Vechen ifne sfarim kedesh yeshamesh ou lasot tzrachav. Pareil aussi, quelqu'un, ils faisaient leurs besoins dans les chambres par exemple, ils avaient des sfarim, ils ne pouvaient pas. Alors tu fais une mechitza pour faire les besoins, alors c'est mouta. Imlo she'ayam ibeodium tefach she'az mutar le'osif aleha be'shabbat. Si ce n'est que, et là c'est un chidouche qu'on va voir dans tout le siman, que s'il y avait déjà un tefach patouar, alors c'est matir aussi bien la mechitza materet qu'on voit ici, mais aussi hein, le gag. Le gag, comme on le voit dans la Gemara là-bas, que s'il y avait un gag patouar tefach, alors même si c'est pour s'abriter, c'est mutar. Donc le fait que ce soit ouvert déjà d'un tefach avant Shabbat, ça permet et le gag pour s'abriter, ou bien même la mechitza materet. C'est bon? Alors maintenant, quelques halakha lemaaseh en ce qui concerne ce saïf, et on passe au saïf d'après. Alors ici, il parle de la souka. La vérité, j'ai passé rapidement sur le tiferet, et j'ai pris la halakhot lemaaseh. Donc je suis dans le keta echad shtaim, deuxième keta. Là, il parle d'une souka dans laquelle il y a trois tfanot. Ok? Trois tfanot, et le troisième dauphin, c'est une porte qui coulisse. Alors, est-ce qu'on a le droit d'utiliser ça? C'est-à-dire, j'ai deux tfanot. Et puis le troisième dauphin, c'est une porte coulissante. Dans les mirpesettes. Voilà. Et j'ai que deux... J'ai deux mirpesettes, et puis il y a deux murs. Et puis la troisième, c'est ce qu'il faut office de porte coulissante. Enfin, la porte coulissante, il faut office de mirpesettes. Est-ce que c'est moutard d'utiliser cette souka pendant Soukot ou pas? Alors pendant Chol HaMoed, parce qu'il n'y a pas de problème de bonnet et sauter. Pendant Yom Tov et Shabbat, il dit le Rav Ovadia, Tov, de faire en sorte de ne pas déplacer cette porte. Parce que quand tu vas déplacer cette porte, ben, tu es en train de déplacer la mechitza. Des fois, elle est fermée, des fois, elle est d'un côté qui n'utilise pas encore. Imagine-toi, j'ai deux mechitzot. Une, deux. Et puis la troisième porte, elle est loin de là où ça doit être. On sait qu'il faut qu'il y ait une certaine distance pour que ce soit, pour que ça soit au fil. Il faut que ce soit proche de la deuxième mechitza. Et voilà que ma porte foulée. Combien pour se proche de la mechitza? Arbat, Fahim. Alors, imagine-toi, la porte coulissante, elle est de l'autre côté. Arbat Fahim, c'est pas un problème. Voilà, si elle est, même si elle est Arbat Fahim d'espace, j'ai un deuxième dauphin, et là j'ai un espace de Arbat Fahim, et là j'ai ma porte coulissante, telle qu'elle, c'est Mouta. Si maintenant c'est espacé de plus de Arbat Fahim, c'est de l'autre côté par exemple, ça marche pas. Et voilà que pendant Shabbat et Yom Tov, j'ai mince, il faut que je la déplace. J'ai le droit de la déplacer ou pas? Alors, Meikar Adin. Je veux la mettre de l'autre côté pour que ça fasse un retzef de trois mechitzot. Mais Ikaradin, on a le droit de la déplacer. Aval, Amachmir, Tavo, Labracha. Donc faire en sorte, avant Shabbat, que la porte coulissante, elle soit de l'autre côté. Ok? Il faut la mettre de l'autre côté. Pourquoi Ikaradin, c'est moutard? C'est quoi le truc? Ah, parce qu'on dit, parce que c'est un peu comme un vide vekai, comme l'histoire du Kisset Pascal. C'est la même structure, comme ça coulisse. Ah, donc c'est une structure, en fait, c'est une porte coulissante, c'est comme ça, quand il y a des rails par terre. Il y a une porte, voilà. Imagine-toi, bidouk ce cas-là. J'ai une mechitza ici, une deuxième mechitza, et là, à cet endroit où il y a les rails par terre, il y a une porte coulissante. Or, la porte coulissante, elle doit être... Elle doit être proche de ce côté-là. Ouais, pour que ce soit trois mechitzot tsmoudot. Alors, on te dit, si elle est de l'autre côté, alors, mais karadid, il n'y a pas... En fait, c'est la misère qui me fait comme si c'était... C'est qui me fait que je peux la déplacer, mais karadid. Non, en fait, ça veut dire que c'est en fait, c'est misgad, c'est pas que je peux les dépasser aussi. C'est qu'il me fait que comme
c'était collé au mur, donc il était. Exactement. Non, non. Si j'ai une planche stable, sans inflammer là, ça me fait. Oui, oui. Non, ce qu'on va gagner avec l'histoire de la planche, parce qu'avec l'histoire de la porte, c'est que mes carabines, tu pourras la déplacer et la mettre à un côté. Alors que la planche, tu pourras pas. La planche, je ne pourrais pas. Voilà. Si elle est là-bas, je pourrais pas la Premier Nekouda. Deuxième Nekouda dans le Hot Shtaïm, il parle du Geder de Oel Keva. Qu'est-ce que c'est Oel Keva? C'est pour combien de temps l'histoire d'Oel Keva? Alors on avait dit dans le Menoucha Tava, pour combien de jours? Alors, il disait, lorsque jusqu'à 8 jours, ça va être Moutar, ça va être considéré comme Oel Arai. Dépasser 9 jours, il veut dire là-bas, alors c'est déjà considéré comme Oel Keva. La preuve, c'est l'histoire de la Souka, que là-bas, on est en train de parler à chaque fois de Oel Arai, et on voit que, on sait que Souka, c'est 8 jours, donc on voit que jusqu'à 8 jours, c'est considéré comme Oel Arai. On dit maintenant, si le Srach de la Souka, il est tombé pendant Yom Tov ou pendant Shabbat, alors il y a un prime Gadim qui a dit que tu n'as pas le droit de le remettre, même avec un Goy, parce que lui, il considère que remettre le Srach, c'est considéré comme Oel Keva. Mais il demande, comme on a dit tout à l'heure, Rav Ovadia, le Rav Moshe Lévi, il dit non. Étant donné qu'on est là pour moins de 8 jours, ça s'appelle un Issour Derabanan, et donc je pourrais demander à un Goy. Donc, Allah Halema Asse. Pendant Yom Tov ou pendant Shabbat de Chol HaMoed? Pendant Shabbat de Chol HaMoed. Donc, Allah Halema Asse, le Srach, il est tombé pendant. Toi, tu ne peux pas le remettre parce que tu vas faire un Issour Derabanan. S'il est complètement sorti. Voilà. Il est complètement tombé. S'il est resté encore en partie en haut, il y a un tefar, tu peux le remettre, d'accord. Moi, je parle du cas où c'est complètement tombé. Mais si un, j'ai deux scars, d'accord. Pareil, très bien. J'ai deux scars. Il y en a un qui est resté en place et l'autre, il est tombé. Je peux mettre le deuxième, parce que j'ai un tefar, même si c'est deux entités différentes. Ouais, du moment que j'ai mais encore un tefar. C'est pas soul, non, mais c'est ça qu'on parle. Donc, ok, donc alors, c'est si le scar, il est complètement tombé, j'ai le droit, pendant Yom Tov de Sukkot ou pendant Shabbat de Chol HaMoed, de demander au Goy qu'il me remette le Srach en place. Ensuite, dans le Rama, on a parlé de l'histoire de faire une Mechitza pour accomplir la mitzvah avec sa femme devant un Ner ou devant des Sfarim. On a dit dans le Rama et dans le Mishnah Berurah, surtout il est Mahmir, il dit que ça s'appelle une Mechitza Materet. Vient le Rav Ovadia, il dit tout ça c'est d'après la Shita du Mordechi. Aval le Rif et le Rambam et le Ramban, d'autres poskim dans le Hot Chamesh, eux ils disent que... ça va être moutar beshaat atrak, ouais, de mettre cette mechitza en place. Pourquoi ils disent que ce n'est pas vraiment une mechitza materet? Pourquoi c'est une mechitza materet? Quand est-ce qu'on dit que c'est mechitza materet? Seulement lorsque c'était assour de porter, maintenant je porte. Je ne pouvais pas manger en dehors de soukha, maintenant j'ai une soukha. Mais là, c'est vrai que je ne pouvais pas faire la mitzvah, et maintenant je peux la faire, mais le yesod du issour, ce n'était pas quelque chose de assour, c'était pas, c'est juste on dit alpi akabala, alpi tzniut, on a dit. Donc c'est vrai que sur le Shulchan Aruch, c'est marqué assour. Alors lorsque le shoresh, la racine du issour, c'est un issour de quoi? De tzniut. Alors on te dit que c'est moutar. Donc il dit le Rav Ovadia, Misha Tatrak, on a le droit donc de faire cette mechitza devant un er ou devant un erot. Maintenant, Bedi Avad maintenant. Ba'adid maintenant, s'il a fait une mechitza, Bemezid, Beofen Ha'asur, d'après le Mishnah Berurah. Il a fait cette mechitza devant le er ou devant les Sfarim, donc il a fait un Issour Derabanan, et il a fait Bemezid. J'ai le droit de faire la mitzvah ou j'ai pas le droit de faire la mitzvah? Ça, c'est toute la halakhot qu'on a dit, qu'on avait parlé. Celui qui a cuit de viande, Bediavad, il peut en profiter ou pas? Alors, réponse maintenant, il a fait une mechitza, d'après ceux qui interdisent, devant un er ou devant. D'après Rav Ovadia, c'est moutard. D'après Rav Ovadia, c'est sûr que c'est moutard. Alors, même d'après le Mishnah Berurah qui interdit, Bediavad, ça va être moutard, même s'il a fait Bemezid, parce qu'au final, c'est de que un issour d'Erabanan. Et donc, Bediavad, s'il l'a fait, Bediavad, ça va être moutard. On continue. On a dit après. Que l'histoire de la parochette devant le Aaron Kodesh, on a dit on a le droit de la mettre. Sur ça, on avait parlé en Shiur du Chazonish. Vous vous rappelez le Chazonish? Lui, il a dit, lui, il interdit. Pourquoi? C'était quoi la svara du Chazonish? C'est etzemze que je vais mettre la parochette pour longtemps, ouais, et ça va faire office de porte. C'est vrai qu'il y a une porte derrière, mais au final, ça va rester pour longtemps. Le Chazonish, lui, il te dit que c'était assur mitzad bonnet, pas mitzad ol, parce que ol c'est que vertical. Aval mitzad bonnet. Avaler alakha le maase, on n'est pas possé comme ça Razonish, on est possé avec laquelle il n'y a pas ni mérite, ni problème de OL parce que c'est vertical, ni un problème de bonnet. Pourquoi? Parce qu'au final, pourquoi? Parce que la parochette, elle bouge. Oui, mais moi, je vais la fixer pendant Shabbat, je la fixe là sur les trous. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Alors il te dit, mérita, ça va être moutard parce que c'est vertical, et bonnet, il n'y a pas aussi de issour. Pourquoi?
Parce que la mechitza, elle est na vena de barouar. Ok, donc à la chalemase, dans la parochette, on permet. Ok. On a parlé aussi de l'histoire là, de mettre une tmouna sur le kir. On a le droit de la mettre, on n'a pas le droit de la mettre. Alors là, il te dit, s'il y a déjà la vis là, qui sort, j'ai le droit de la mettre, d'après le Khazonish, ça va être assourd. Parce que ça va être un chimouche kavois, ça va être bonnet. Mais nous, à la Khalimassé, on est mekel. Mais bien sûr, de mettre la vis avec le tmouna, ça c'est sûr que c'est assourd. C'est tout, allez, on passe au Saïf Bet. Voilà. Donc, Saïf Alef, on a fini ? Donc on a parlé de quoi dans le Seif Alef, dans la Halakha Lemaaseh ? On a parlé premièrement de la Souka, si le Srach il est tombé. On a parlé de l'histoire de la Mechitza devant le Ner et devant les Sfarim, qu'on a envie de mettre. Bedi Avad, même d'après le Mishnah Berurah, c'est assur. On a parlé de l'histoire de la Parochet, on a parlé de l'histoire de la Tmouna. C'est bon ? Ça c'est toute la Halakha qui sort du Seif Alef. Du Seif Bet, maintenant on continue. Vous avez des épisodes aussi ? Ça je l'ai écrit peut-être dans la feuille. Si on a le temps, peut-être après, je passerai, mais... dans le Saïf Bet. Saïf Bet. Etzim shetokin roshan ayachad bedofen asfina. Vous vous rappelez, là, c'est les arceaux, là, qu'on mettait d'un côté de la sfina. Vekofefin roshan asheni bedofen asheni chez la sfina. Et donc, on le met en arceau de l'autre côté de la mechitza du bateau. Ou porcin martzelet aleem letel. Et voilà, il veut mettre une bâche. Donc sur tous les arceaux, alors on te dit comme ça, imiesh berochman tefar, si sur un des arceaux, il y a un tefar, sur un des arceaux, il y a un tefar, ou afilo en berochman tefar, ou bien même si dans un des arceaux, il n'y a pas un tefar, im en benzelazé shloshat fachim, mais il n'y a pas entre deux arceaux, trois tefachim, donc en fait, il y a l'histoire de la voûte. Chachive koel ou mutar lifros alem beshabbat ma'achat zelet. Donc on a le droit de mettre un oel par-dessus, donc de mettre cette bâche là par-dessus. Davelet osefet oel arai vechare. Et donc c'est mutar. Ou mitam ze marzelet prosa kedetefar. Si maintenant on avait une marzelet, donc si j'avais déjà une bâche tendue d'un tefar avant Shabbat. Avant Shabbat, moutan l'ifrosh ar martzelet b'Shabbat v'tefar shamru chutz min akricha. Quand on a parlé d'un tefar ouvert, c'est en dehors de la kriya. Bon, carton. Là, on est en train de reprendre le siman. On a dit, on a fini le siman shin tetvav. Non, on va commencer pendant Tachem dimanche. Et là, j'ai repris que le shulchan aruch de tout le siman shin tetvav en l'expliquant et en donnant les halakha, les maasé qui sortent de chaque saïf. Ok, donc ce Saïf Bet, là, on l'a fini. C'est bon, Eli ? On a fini le Saïf Bet. Juste en deux mots, Pidra, je reprends les différentes halakha, les maasé. Là, j'ai dit, je reprends tout le Shulchan Aruch, Shin Tetvav, que le Shulchan Aruch, en donnant les halakhot, les maasé de chacun des Saïfim. Donc, dans le Saïf Alef, on a donné, en deux mots, les halakhot, différentes halakha, les maasé du Saïf Alef. On a parlé de l'histoire de la Souka. La Souka, lorsqu'elle a trois mechitzot, dont la troisième, c'est une porte coulissante. Alors pendant Chol HaMoed, on n'a pas de problème de l'utiliser, de l'ouvrir et de la fermer, puisqu'il n'y a pas de problème de bonnet et sauter. Mais Shabbat et Yom Tov, il faut faire en sorte de faire que la porte coulissante, elle se trouve déjà proche de la deuxième Mechitza, pour qu'il y ait un Retsef de trois Mechitzot. Parce que si la porte coulissante, elle est de l'autre côté, telle qu'elle, la Souka, elle n'est pas Kshera, quand pendant Shabbat et Yom Tov, tu vas vouloir déplacer ta porte coulissante proche des deux autres Mechitzot, tu vas faire une Souka pendant Shabbat et pendant Yom Tov, chose qui est interdite. Alors, il faudra qu'avant Shabbat et avant Yom Tov, tu déplaceras ta porte coulissante. C'est-à-dire, j'ai une mechitza, une deuxième mechitza. La porte coulissante qui est à l'extrémité, telle qu'elle, la souka et l'epsula, tu déplaces ta porte et tu la mets de l'autre côté avant Shabbat. Et tu ne la bouges pas. Bécha Tatra, il dit Rav Ovadia que tu pourras, malgré tout cela, la déplacer parce que c'est sur rail. Et donc, il y a comme une structure à Val. Il dit, les khatrila, il faut être mahmir. Ça, c'est la première halakha. Deuxième halakha qu'on a appris, c'est l'histoire de... C'est combien de temps le zman de shiur kavua ? On a dit, c'est lorsque ça dépasse 8 jours. Plus que 8 jours, c'est déjà un issur kavua. Ouais. Moins que 8 jours, c'est ce qu'on appelle issur ol arai. Qu'est-ce qu'il en sort de cette nekuda-là ? Si, par exemple, ton srar, pendant Sukkot, pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, il sort, il tombe complètement par terre. J'ai le droit de le remettre pendant Shabbat et pendant Yom Tov ? Réponse, quelle issur tu es en train de faire ? Issur de Rabbanan ou issur Torah ? Non, pendant ce code, c'est que des rabananes, puisque c'est pour moins que 8 jours. Comme c'est pour moins que 8 jours, donc c'est qu'un issur des rabananes. Étant donné que c'est qu'un issur des rabananes, donc j'aurai le droit de demander à un goy. Toi, tu ne pourras pas le faire, ok, d'accord.
Mais tu pourras demander à un goy, avec le principe de jvout, des jvout, bemokom, mitzvah, que c'est mouta. Ok? Troisième nekuda. Quatrième nekuda qu'on a vu, c'est l'histoire de faire une mechitza pour faire la mitzvah avec sa femme ou pour faire ses besoins lorsqu'il y a des sfarim. On n'a pas le droit de se dénuder comme ça. Alors on dit, quand tu vas faire une mechitza, c'est ce qu'on appelle mechitza materet. Le Rama et le Mishnah Berurah interdisent, alors que le Rav Ovadia, il te dit que c'est mouta. C'est vrai que j'ai permis maintenant de faire les besoins, etc. Donc j'ai ce qu'on appelle Mechitza Materet. Il dit non. Étant donné que le Shoresh, la racine de ce Issour de Mechitza Materet, c'est juste un problème de Tzniout, c'est pas que c'était Assour de porter, maintenant je peux porter. C'est vrai que c'était Assour de faire ses besoins, mais le Issour de faire les besoins, c'était juste un problème de Tzniout. Il dit à Rav Ovadia que Beshaat Atrak, on aura le droit donc de faire cette Mechitza. Ok ? Qu'est-ce qu'on a vu encore comme autre Nekuda ? Ah, on a parlé de l'histoire de la parochet. La parochet. On a dit que certains disaient que c'était assour pendant Shabbat de la mettre en place si elle est complètement tombée. Le Chazonish, il dit que c'est un issour Torah parce que cette parochet, je vais la laisser pour longtemps. Donc il dit que c'est un problème de bonnet. Alors qu'à la Chalemaase, nous, on n'est pas possède comme ça. On dit Mechitza, Oel, il n'y a pas parce que c'est uniquement vertical, comme on a dit. Et je n'ai pas fait de toit. Et bonnet, il n'y a pas non plus. Pourquoi ? Pourquoi il n'y a pas bonnet ? Parce que la parochet, elle bouge. Donc ça s'appelle pas bonnet. Donc Mechitza, il n'y a pas, et bonnet, il n'y a pas non plus. Le Saïf Bet, on a lu, il n'y a pas alors, de... Dans une soukha, on peut le mettre... Exactement. Pendant ce cas, tu veux mettre un tapis au mur, et bien ça va être mouta. Ok ? Pourquoi ça va être mouta ? Parce que c'est vertical. Si par contre, ce tapis, il était avant Shabbat en tant que noy... Ok ? Venez. C'est Nachmani, je sais pas ce qu'il veut, il n'arrête pas. Alors, si tu vas le mettre, hein, s'il était en tant que noy avant Shabbat ou avant Yom Tov, c'est un problème de Mukhtse. Mukhtse Mechamat Mitzvah. S'il est tombé, tu peux pas le déplacer. Là, tu veux pendant Shabbat le mettre. Alors pendant Shabbat le mettre, tu auras le droit, il n'y a pas de problème ni de Ohel ni de bonnet. On est arrivé maintenant au Saïf Gimel maintenant. Page 2, je sais pas, c'est quelle page chez vous, mais j'ai pas en. 244. 244, Saïf Gimel. Donc on a lu pour l'instant le Saïf Aleph et le Saïf Bet avec les Halakha, les Maasé. Ce qu'il en sortait aussi de cette Halakha, pardon, du Saïf Bet, il y avait une Halakha qui sortait. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, j'ai le lit du bébé et j'ai envie de mettre un drap par-dessus parce qu'il y a du soleil. J'ai le droit, pour les moustiques, j'ai le droit pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Ah, et Bandecha, il dit quelque chose de bien. Il dit les mechitzot, elles sont déjà faites. Mais ça ne suffit pas pour le gag. Parce que là, le gag, il vient pour s'abriter. Pour s'abriter, on a dit que ça ne marche pas par rapport aux mechitzot. Quand est-ce qu'on a dit que les mechitzot, déjà faites avant Shabbat ou Yom Tov, c'est bon ? C'est seulement dans le cas où ce n'est pas pour s'abriter. Pour utiliser le dessus, ou bien même si j'utilise un petit peu le dessous, comme je vais mettre un matelas. Quoi, là, il y a des vraies mechitzot, là ? Non, non, il y a les mechitzot du lit, mais je vais mettre un drap par-dessus pour m'abriter du soleil. Donc là, le but essentiel, exclusif de ce gag que je suis en train de faire, c'est pour le dessous. Ah, même si j'ai des mechitzot faites avant Shabbat, ça sort. Ok. Maintenant, on passe au Saïf Gimel. Le Shulchan Aruch dit « Mita, kshema amidim, ota ». Si vous mettez un drap, c'est quand même qu'il y a un tefar. Il y a un tefar. Les mechitzot, elles sont hautes. S'il a préparé déjà un tefar, oui. Il y a tout ça qui est déjà ouvert. Ah, ça aussi, c'est juste. Non, lui, il parle de la hauteur. Ah, tu parles de la hauteur, toi ? Oui. Ah oui, sinon le bébé, tu vas pas le mettre comme ça. Non, c'est mais le lit, il n'y a pas un tefar. Non, pas sûr, sur le lit, il n'y a pas. Non, sur le lit, tu vas le mettre en tant que couverture. Moi, je parle dans les berceaux, là, dans les petits lits de bébé, avec les mechitzot qui montent. Ok, Saïf Gimel. Mita, kshema amidim, ota. Donc le lit maintenant qu'on va monter, vous vous rappelez maintenant de ce Saïf là ? On avait dit le Saïf Gimel, il va ensemble avec le Saïf Zayin Echet, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs ensemble. Le Saïf Gimel il nous dit de construire maintenant, jusqu'à présent on a parlé de quoi ? Soit de faire le gag, soit de faire le mechitzot. Là on est en train de parler de la construction d'un lit, ou bien d'un shulchan, ou bien de faire les tonneaux devant les uns sur les autres. Alors dans le Saïf Gimel on avait ramené en deux mots, la marloquette. Rashi lui disait dans tous les cas c'était moutard parce que tu n'as pas mis de keven à Ohel. Mais on a dit qu'on n'était pas possède comme Rashi. Il y avait qui ? Il y avait la shita du Tosfot et la shita du Rashba. La shita du Tosfot c'est de te dire si tu vas suivant les mechitzot, si tu fais des mechitzot pendant Shabbat et pendant Yom Tov, c'est assur même si tu n'utilises pas ce qui est en dessous. Si au final tu as fait des mechitzot,
des panneaux, et après par-dessus tu as mis même un matelas, ça va être assourd. Parce que j'ai fait des panneaux plus un toit, ça ressemble à une maison. Le Rajba il dit ça ne dépend pas de ça, ça dépend de si j'utilise ce qu'il y a en dessous ou si j'utilise pas ce qu'il y a en dessous. Donc si j'utilise ce qu'il y a en dessous, ça assure même si je mets des pieds. Mais si j'utilise pas ce qu'il y a en dessous, c'est mouta même si je mets des planches. Ok. Maintenant, d'après chacun des deux, comment on est posé que la halakha? Si on est posé que les hakel comme les deux chitotes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai le droit de construire un lit ou une table avec des panneaux si je sais que je ne vais pas utiliser ce qu'il y a en dessous. Pourquoi je mets quel comme le Rajba? J'ai le droit aussi de construire un lit avec des pieds, même si je sais que je vais utiliser quelque chose qui est en dessous. Parce que je prends la coula du Tosfot. Ça ne va être assourd seulement dans le cas où je vais faire, dans les deux conditions, et des panneaux, et que je vais utiliser ce qui est en dessous. Et même dans ce cas-là, on permettra dans deux possibilités. Soit dans le cas où j'ai déjà fait les méchitzot avant Shabbat, et c'est pas comme ce qu'il a demandé tout à l'heure, Mordechai, parce que si j'ai fait les méchitzot avant Shabbat, ça va être mouta, parce que c'est pas comme il a demandé Mordechai tout à l'heure dans le lit. J'utilise un peu ce qui est en dessous. Tout à l'heure, ce qu'il a demandé, c'est dans le cas du lit, de mettre le drap là, au-dessus du berceau. Ça, même si les méchitzot ont fait avant Shabbat, ça assure, parce que l'utilisation exclusive, c'est uniquement pour ce qu'il y a en dessous. Donc, dans le cas du mita et du shulchan, j'aurai le droit, donc à la chalemaasé, de faire les panneaux et de mettre le matelas ou la table pendant Shabbat. Dans quel cas? Soit dans le cas où les méchitzot sont faites avant Shabbat, soit dans quel cas? Construit à l'envers. Construit à l'envers. D'abord, j'attrape le matelas. Et après, je mets les panneaux, quand je fais le chinouille. Donc, on se rappelle de ce truc-là. Là, on a changé du Saïf Aleph et du Saïf Bet. Où là-bas, les deux Saïfim, ils parlaient de quoi? De s'abriter. À partir de là, on parle du cas où c'est pas fait pour utiliser en dessous qu'un petit peu, pour mettre les chaussures, les bouteilles, etc. Donc, c'est déjà une darga en dessous. Donc, on te dit, de mettre des panneaux plus un toit, c'est assaut. Sauf dans deux conditions, si les méchitzot sont faites avant Shabbat, ou bien je fais le chinouille. C'est bon? Alors, on va voir maintenant dans le Shulchan Aruch. Saïf Gimel, Zayin Echet. Mita, kshema amidim ota, donc construire le lit là. Assur le aniyach araglaim trila, donc de mettre les raglaim, et on va voir dans la suite de quel raglaim on parle, c'est des panneaux. Là on parle ici des panneaux. Donc on n'a pas le droit de mettre les panneaux, comme il va l'expliquer le Shulchan Aruch dans une ligne. On n'a pas le droit donc de mettre les panneaux d'abord, trila, ou l'aniyach alaim akrashim, et de poser par-dessus les planches pour mettre en fait son matelas. Et là, comment il faut faire? Yassim akrashim trila ba'avir. D'abord, ton copain, il va attraper les krashim en l'air. Ve'acharkach raglaim tartem. Et après, tu mettras les raglaim en dessous. De quoi? Quel mot? C'est ce qu'il précise, regarde. Parce que c'est la chante de la Gemara, c'est le problème. Raglaim. Et le Tosfot, ils expliquent que raglaim, c'est des panneaux. C'est ça qui. Ve'anemile, il dit le Shulchan Aruch, que raglaim em dapim mechubarim. C'est vraiment des planches. Kemo dofne ateva, comme les planches d'une armoire. Aval raglaim shel mitot shelanu. Donc c'est quoi? Des pieds tout. Standard, on a le droit de les faire en ordre ou pas? Réponse, oui, on a le droit. Pourquoi? Bien que j'utilise et je mets les chaussures en dessous. Parce qu'on prend la coula de Tosfot que c'est seulement lorsque c'est des panneaux. Mais lorsque ce n'est pas des panneaux, c'est mouta. Ok? Vechen, il dit, je tourne la page. Vechen ragle ashulchan, mouta bechol gavner. Pareil aussi, quand je mets les pieds de la table, j'aurai le droit dans, même de bas en haut. Ok? Alors ici, qu'est-ce qu'on a à la chalema? C'est. Le Menucha Tava, il dit, j'ai envie de construire maintenant un petit, comment dire, un lit de bébé. Un lit de bébé, sans qu'il y ait de panneaux. Ou bien plus encore, il y a des panneaux. J'ai le droit donc pendant Shabbat de construire ce lit de bébé ou pas. Il dit, aujourd'hui, à notre époque, on n'utilise pas vraiment ce qu'il y a en dessous. Surtout un lit de bébé qui est bas. On ne met pas peut-être un lit d'adulte qui est assez haut, alors on met des chaussures, etc. Mais un lit de bébé, quand il est bas. Vous connaissez les lits parapluies. On ne parle pas du lit parapluie, celui-là, on va le voir dans le Saïfé. Celui-là, c'est sûr qu'il est mouta. Le lit parapluie, parce qu'il y a déjà toute la structure. Oui. Là, je parle d'un cas pas mobile. Ça, c'est sûr que c'est mouta. Ah, mobile. Ok, non, imagine-toi, je dois mettre en place un vrai lit. Un lit de bébé. Et je fais rentrer la structure. Là, je le construis pendant le Shabbat avec des vrais panneaux. Alors, il dit le Rav Moshe Lévi que ça va être mouta. Pourquoi? C'est vrai que j'ai des panneaux, mais comme je n'utilise pas ce qu'il y a en dessous, c'est mouta. Ok? Pareil aussi, j'ai une table. Je vais mettre des tréteaux et mettre la table par-dessus. Ça va être moutard ou ça va être assourd? Gad, qu'est-ce que tu réponds? Si j'utilise pas ce qu'il y a en dessous. Alors la vérité, c'est dans la table et les tréteaux. C'est vrai qu'on n'utilise pas ce qu'il y a en dessous. Si tu n'utilises pas, bien sûr, ça dépend du cas de figure.
Mais plus que ça encore, dans les tréteaux, c'est pas considéré comme des pieds. Ouais, pas considéré, pardon, comme des planches. Parce qu'il y a du vide entre les deux. Et chacun des pieds ici, il ne fait pas un tefar. Donc, non seulement dans ces tables-là qui sont déjà avec les structures prêtes, c'est sûr que ça va être moutard, mais même de mettre les pieds et par-dessus la table en ordre et de les mettre pendant Shabbat, ça va être moutard. Ok ? Si je mets 4 pieds comme ça ronds, qui n'ont pas un tefar, je peux le truc. Aucun problème. Mais si maintenant tu as des. On met quel comme toi. Si c'est des gros, voilà, imagine-toi, c'est des gros carrés comme ça, des gros pieds. Et bien tu vas mettre les 4 pieds, alors là, que ça va être moutard ou assaut bah, d'après, si je le fais en ordre. Si je veux utiliser ce qu'il y a en dessous, ça va être assaut. Oui, parce que d'après toi, mais si moi, je ne veux pas utiliser, je veux pas mettre de bouteilles, j'ai pas l'habitude de mettre des bouteilles en dessous. Bien qu'on a dit, on met les pieds en dessous de la table, on dit, c'est pas considéré. Ok, donc si je veux utiliser. Mais si maintenant je sais que c'est une grande table, et je vais planquer moi les liqueurs et la boucha, etc., en dessous de la table, non. À côté du bas à la baït, et bien ça va être assaut parce que je vais l'utiliser. C'est bon, c'est à la chale et main, c'est vrai que c'est plus cale là-bas. Alors, Im Gvar, tu le fais à deux, attrape la table et après l'autre, il met les pieds. Mais non, mais les Deshnaïm, on ne permet pas tous les. C'est vrai que quand on est confronté vraiment à une histoire, qu'on n'a pas d'autre possibilité, Shnaïm, Shahasua, c'est Yored, Midoraita, les Derabanan. Aval, si on a une possibilité, alors on ne permet pas. Alors c'est ça, normalement, d'après le Cheshbon, on a permis un Issour des Rabbanan avec un Goy. Est-ce qu'on a le droit de faire un Issour des Rabbanan en faisant un deuxième Issour des Rabbanan, très des Rabbanan? Sur ça, c'est une Machloket Acharonim. Le Rav Ovadia, il dit qu'on peut être Mekel Beshat Atrak. T'as entendu la question? Je fais un Issour des Rabbanan, puisqu'on parle d'Issour d'un Issour des Rabbanan. Ouais. Et on le fait à deux, on attrape ensemble les pieds, on les met ensemble. On met la table après par-dessus, en ordre. Si je fais le chinois, il va dire que c'est moutard. Mais on le fait à deux. Alors on a dit, un Issour des Rabbanan, de le faire avec un Goy. C'est moutard, shvout des shvout, comme mitzvah pour la Seouda. Maintenant, shvout allié des Israël, chez Osegam, ils sont des Rabbanan, très des Rabbanan, c'est le cas ici. Je fais la table qui est un Issour des Rabbanan, en le faisant en deux, c'est un deuxième Issour des Rabbanan. Le Mishnah Berurah, lui, il est d'Ato l'Achmir, comme le Magan Avraham, pas dans notre Siman de Noir. Avant le Rav Ovadia, il ramène dans son livre Leviathan, il dit que Beshat Atrak, on peut être Mislamech là-dessus. Ah ben ici, il n'y a pas de lieu d'être Mekel, puisque si on est deux, alors un, tu peux le faire de manière Al-Khatrila. Un, il attrape la table en haut et l'autre, après, il met les pieds en dessous. Donc, on a dit le Saïf Gimel, ça, c'est le premier Nekouda. Je vais sauter au Saïf Vav et Zaïn. Ce n'est pas Zaïn Echet, c'est Vav et Zaïn. Après, on reprendra Dalet Echet. Dalet Echet. Le Saïf Vav, page 246. Pour l'instant, je saute Dalet Echet. Keshemé, parce que c'est la suite du Saïf Gimel. Keshemé Sedrim, Chaviot, Zo, Al-Gabezo, Achat, Al-Gabeshnaïm. Donc, je mets deux tonneaux de part et d'autre. Et je mets un troisième par-dessus. Au Ches, Beyado, Eliona, Bissader, Atartonot, Tartea. Je suis obligé de mettre le tonneau qui est par-dessus et après de mettre les deux tonneaux en dessous. Pourquoi ? Si je les fais en ordre, je mets deux tonneaux en dessous et un tonneau par-dessus. Mechitzot, il y a des mechitzot ou pas Pinchas ? Il y a, parce que les tonneaux, ils sont plus qu'un tefar. Et j'utilise ce qu'il y a en dessous. Oui, apparemment, on ne connaît pas, nous, cette réalité, mais dans le Shulchan Aruch, à l'époque de la Gemara, on avait un intérêt que le Havir, il passe par en dessous le tonneau qui est au-dessus, pour pas que ça fermente, etc. Donc on dit que j'ai fait des merchitzot et j'ai fait un gag, ça ressemble à un toit. Et donc ça assure. Si ce n'est que quoi? Vas-y, Pinchas, tu vas nous dire dans quel cas j'aurai le droit de le faire, ces deux tonneaux et le tonneau par-dessus pendant Shabbat. Tu prends le tonneau, tu tiens le tonneau. Ce qu'il a fait, c'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Ou bien, autre possibilité. Chazak, ça aussi c'est juste. Si je fais en sorte qu'il n'y a pas un espace de un tefar entre les deux, c'est sûr que c'est moutard. Mais un autre cas, une autre possibilité. Si les deux tonneaux, ils étaient mis avant Shabbat. Ok, c'est bien de réviser comme ça. Il a fait, si les tonneaux, ils sont déjà en place avant Shabbat. Il a fait, c'est bon? Encore une fois, on a dit que ça marche, parce qu'ici, c'est pas pour m'abriter. C'est vrai que c'est aussi pour utiliser ce qu'il y a en dessous, mais c'est pas exclusif, donc on peut se permettre de Tmekel en pensant que les mechizot ont fait avant Shabbat. Ok? Hein? Je fais ça pour que aussi, il y a le Icard Mamatara, moi c'est pour me servir pendant Shabbat. Ah, il va servir à toi. Oui, va. Ok. Aval, il dit le Shulchan Aruch. Aval, lo yesader atartonot trila veyaniach eliona alean. Donc on n'aura pas le droit de quoi? De mettre d'abord les tonneaux en dessous et mettre un tonneau par-dessus pendant Shabbat, comme on a dit. Ok. Parce que là, on a les deux chumrot. Non seulement je fais vraiment des panneaux, puisque les tonneaux c'est office de panneaux, et deuxièmement quoi? J'utilise ce qu'il y a en dessous.
Et le Seif Zayin, c'est la suite. Le Seif, il dit le Shulchan Aruch, « Moutar l'aniyach sefer echad mikan ve echad mikan ve echad al gaben. » Oil ven tsarich lavir chez Tartan. Donc j'ai le droit de mettre un livre à droite, un livre à gauche. Bien sûr, on parle du cas où l'épaisseur du livre, il fait un tefar Pinchas. Je mets un livre à droite, un livre à gauche. Et par exemple, un sefer Torah par-dessus. Je mets plusieurs livres. Ou bien par le je mets plusieurs livres. Ok. Pourquoi? Parce que dans ce cas de figure, j'utilise. Je n'ai pas aucun intérêt avec ce qu'il y a en dessous. Donc c'est vrai que j'ai des mechitzot, j'ai des panneaux, j'ai des mechitzot. Avant, on a dit, pour que ce soit sûr, il faut et des panneaux et l'utilisation en dessous. Or ici, je n'ai pas d'utilisation en dessous. Et donc, c'est pour ça que c'est mouta. Comme il dit le Rama, Aga, Oil, Ven, Tsarich, La, Vir, Shetartéen. Ok, c'est bon. On avait dit, derrière Hagav, Alachal, et Massé de ce saïf-là, est-ce qu'on a le droit de mettre un livre sur un autre livre? On avait dit que le Mishnah Berurah, il disait que ce n'est pas les Khatrila. C'est mouta. Pourquoi? Ce n'est pas Kavot, c'est un point. C'est une location avec Shabbat. C'est un peu bizayon par rapport au Sefer. Sauf si le livre, il te dit le Mishnah Berurah, il était déjà à cet endroit-là. Il est déjà là. Et je vais mettre maintenant cet autre livre-là et je le mets par-dessus. Alors comme je ne l'ai pas pris de l'armoire et je l'ai posé ici, je ne l'ai pas été vasé auto, donc c'est pour ça que c'est mouta. Et on avait donc, à la Khalemaase, le Yalkut Yosef, il dit que ce n'est pas l'Echatrina de mettre un livre sur un autre livre de l'armoire, sauf si c'est déjà en place, comme on a dit, alors que le Alachabrora, il disait qu'à notre époque, comme tous les livres, ils sont imprimés à l'ordinateur, donc ils ne sont pas vraiment de Gdusha comme celle de l'époque écrite à la main, tous les manuscrits, tous les livres écrits à la main. Donc il disait que Yesh le'akel, même l'Echatrila le Alachabrora. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il y a comme halakha le maasé sur ce saïf-là? Bon, la vérité, on a tout dit déjà. BLP. Ok. Maintenant, on repasse en arrière. Saïf d'alet et saïfé. C'est bon? Vous êtes avec moi, là? Ouais. 246, saïf d'alet. Mita shei meso reget pirouch ne reget bachavalim. Donc, j'ai un lit. Donc, j'ai déjà la structure du lit. Et plus que ça, à l'endroit du matelas, qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà plusieurs ficelles sur lequel je vais mettre mon matelas. Mordechai, j'ai le droit de mettre le matelas pendant Shabbat ou pas? Non, ici. Donc j'ai déjà la structure, et à l'endroit où je vais mettre le matelas, j'ai plusieurs ficelles. Est-ce qu'on a le droit de mettre le matelas pendant Shabbat ou pas? Mordechai, qu'est-ce qu'il répond? Pourquoi c'est mouta? Alors, attends, il faut préciser. Déjà, on parle ici, bien sûr, du cas où j'ai des mechitzot. Si j'ai que des pieds, ça, c'est de toute façon, c'est mouta, de mettre le matelas, comme on a dit, que c'est seulement avec des panneaux. Donc là, dans ce cas du Shulchan Aruch, on parle du cas où j'ai un mita avec des mechitzot. C'est bon, Pinchas, j'ai un mita avec des mechitzot. Et j'ai des fils sur lesquels je vais mettre mon matelas. Donc je vais faire un gag pendant le Shabbat. Est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Oui. Je vais aussi utiliser les chaussures. Mais là, on parle pas qu'il n'y a pas la voûte là-bas. S'il y a les il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Ici, on parle du cas, je crois que c'est ça qu'il voulait dire Mordechai, que si les ficelles entre elles, elles ont moins de 3 tefachim, donc c'est considéré comme si c'était déjà un endroit fermé avant Shabbat, j'aurais le droit pendant Shabbat donc de faire le matelas. C'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Regardez, Mita, Shei Mesureget. C'est quoi Mesureget? Il dit entre parenthèses, Pirouche, Nehereget. Donc c'est déjà cousu avec quoi? Bechavalim, avec des cordes. Im yesh ben chevel le chevel shlosha tefachim. S'il y a plus de 3 tefachim entre chacune des cordes, asur lifros alehen tzadin mishum David ohala. Parce que pendant Shabbat, tu vas, en mettant ton matelas, tu vas faire un ohel. Vechen asur le selek begad atarton mealea mishum de kasata ohala. Vas-y. Ah, c'est ce que j'attendais comme question. C'est avant Shabbat le truc pour tout ça. Et en plus, c'est pour une station qui est non exclusive en dessous, c'est juste pour la roue, on utilise un petit peu comme on a exactement le cas du Khavi. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ici? Il faut dire non seulement que quoi? Que il y a des mechitzot, mais elles n'étaient pas faites avant Shabbat. C'est quoi ça? Il y a par exemple qu'une seule. Hein? Il a tout fait. Il n'a pas. Ils sont où les chavalim? Dans le vent? Dans le chemin qu'elles ont posé quelque part. Donc il y a déjà des pieds. Le seul truc, c'est qu'il a tout fait pendant Shabbat. Il a tout fait pendant Shabbat. Alors attends, une seconde, on va voir ça. Parce que si les filles, avant, s'ils sont à moins de 3 chavalim, c'est possible. Chavalim, c'est impossible qu'il n'y ait pas la structure pour ne pas les mettre. Forcément, il avait déjà fait ça pendant Shabbat. Alors s'il a fait ça avant Shabbat, comment ça se fait que ça va être interdit?
Attends. Parce que le Sénégal, il parle bien qu'il fait le livre. D'accord. C'est un Mida ou t'as. D'accord. C'est un Mida qui semble déjà fait. Sinon, si c'est un Mida, on apprend les preuves pareilles. D'accord. Or, dans le Mishnah Moura, Yud Zayin, il nous a dit dans le Saïf Gimel, il nous a dit que si les Mechitot, elles sont déjà faites, avant Shabbat, regardez, c'est le Sharat Sioun Kafalef Plio, les Apoké, Mayou Mechitot, Kouvoui, Meikara Bezamakom, alors ça va être Mouta, donc de mettre le matelas. Alors, comment ça se fait ici qu'il nous interdit de mettre le matelas pendant le Shabbat? Parce que le plat est déjà commencé. Non, s'il est commencé, c'est Mouta. Là, il nous dit que c'est assourd. Il nous dit que s'il y a plus de 3 tefachim entre chacune des cornes, il nous dit que c'est assourd. Oui, donc ça veut dire que c'est déposé avant, alors les cornes. Donc, c'est ça la question. Si, c'est, si ça a été posé avant Shabbat, normalement, ça devrait être. Qu'est-ce qu'il explique ? Vas-y. Il dit que parce qu'il y a Yeshkapouch qui dit au stream, Dachmish Babir a fait de l'eau Mechitzot. Dans le 23, dans le 23. La chaîne de Mitzvah, 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 non, Ishmito, il a été Mashmit, il te dit. Il a été Mashmit, histoire de Mitzvah Chelano, parce que dans le Beth Yosef, c'est marqué avec des Mitzvah Chelano, avec des pieds. Ça, c'est la Svara du Rajba. Il dit, le Shulchan Aruch, il n'est pas d'accord. Miou, qu'est-ce que tu veux? On a dit que normalement ça devrait être moutard complètement, ça. Oui, mais c'est des acharonim. Le Mishnah Moura, lui, il est possèque laquelle. Il doit s'arranger, lui, avec ce saïf-là. C'est ça la question. Bon, pour l'instant, on laisse cette nekuda de côté. On va vérifier peut-être après dans l'autre Mishnah Moura là-bas comment il va expliquer. Pour l'instant, on laisse ça de côté. C'est une bonne question. Après, il dit le saïf d'Alet à la fin. Shabbat. Bon, ça on a déjà dit. S'il avait même un coussin posé à l'endroit, donc ça faisait office de quoi? De gag déjà ouvert dans un tefar, on a dit que c'est moutar. Moutar les frances Shabbat, alcool à mita. Ok, bon, ça on a déjà dit. Le fameux saïfé, après on passera à la suite. On repassera au saïf d'Alet. Le fameux saïfé, qui sait à Soui Prakim. Donc c'est un qui sait qui est fait d'une seule structure. Seulement il est plié. Ou que Shirotin Nishev Alav, pendant Shabbat, j'ai envie de m'asseoir, Potrin Oto Ve'ahor Niftar. Et donc tout va s'ouvrir, donc je vais faire tout ensemble, je vais faire et les... Parce qu'on parle ici aussi, dit Mishnah Moura, d'un kissé avec des mechitzot, parce que s'il n'y a pas de mechitzot, si c'est que des pieds, on a dit, c'est toujours moutard, il faut se mettre dans la tête, des pieds c'est moutard. Je pose dessus, même si je vais mettre des chaussures en dessous, comme c'est des pieds, c'est toujours moutard, il faut se mettre dans la tête ça, hein. Pour interdire, c'est seulement des panneaux et que j'utilise aussi un peu ce qu'il y a en dessous. Donc ici, forcément, on explique le Mishnah Moura, si on est en train de parler d'un kissé, il s'agit forcément d'un kissé avec des mechitzot. Ok? Et malgré tout ça, il nous dit le Shulchan Aruch que ça va être moutar, ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Kissé à Asui Prakim, comme il est fait d'une seule structure, de plusieurs halakim, ou Kshirotim Nishav Potrimoto Ve'ahor Niftar, c'est pas que je vais le construire, mais quoi? Mais c'est que juste le cuir, c'est-à-dire le moshav, le siège en lui-même, il va juste se tendre. Alors quoi, Ukshe Messiri Moto Sogri Moto Vehor Nirpal, et lorsqu'on a fini avec, on plie la chaise et ça se plie. Moutar Lefotro Lechatrila, donc j'ai le droit à Lechatrila pendant Shabbat, d'ouvrir ou bien de le fermer. Pourquoi? Comme on a expliqué, c'est la fameuse phrase qu'on appelle dans la Gemara, Avid Vekai, en arabien. Avid Vekai, ça veut dire Avid, ça veut dire il est fait, Vekai Omed. Il est déjà, la structure elle est déjà en place. C'est juste un changement de position. Quand est-ce qu'on a dit que c'est assourd de faire les mechitza plus le gag? C'est lorsque je prends un chalek, et je mets un autre chalek par-dessus. Mais là, toute la structure, elle est déjà ensemble, c'est juste un changement de position. Alors, Chachamim, ils ont été mekel. C'est une même pièce. C'est une même pièce, ok? Alors, Alakha le Maaseh qui sort de ce saïfé, vous vous rappelez de ce qu'on a parlé dans le saïfé? On a parlé, par exemple, de la poussette, avec le toit qui est... Quand je vais ouvrir l'histoire, le toit, là, je vais faire des mechitzot et un gag. On a dit qu'il y a des machmirim, il y a... Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de mechitot, là-bas il y a le gag. On a dit le gag, le. Oh, la gaine. Un gag, même sans mechitot, c'est assourd, on a dit. La gana.
Alors, il y en a qui ont voulu dire, d'après ce saïf-là, que c'est moutard, comme c'est une seule et même structure. Comme ça, il dit le Rav Moshe Levi, le Chazonish et le Mekel aussi, comme ça. Ok. Alors que Rav Ovadia dit non, c'est quand même différent de ce saïf-là. C'est vrai qu'ici, c'est la même structure, mais c'est pas fait pour... C'est pas fait pour quoi? Pour m'abriter ici, dans le Kissé. Le Kissé, le Kissé. Alors que dans la poussette, c'est vrai que c'est une même structure, mais c'est fait aussi pour s'abriter. Il dit donc c'est différent. Alors que le Rav Moshe Levi dit, il n'y a pas de différence. Bon, il a ses preuves. Rav Moshe Levi dit, on va jusqu'au bout. Pour s'abriter, pour même structure, c'est moutard, même si c'est pour s'abriter. Ok? Alors que le Rav Ovadia, alors on va commencer par le Rav Ben Tzion de Bachaou, lui, il est marmir. Le Rav Ovadia, il dit, mi karadin, moutard, même pour s'abriter. Aval, tov le armir de faire ça avant, Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'il en sort à la Khalema? C'est l'histoire de la poussette. D'après le Rav Ovadia, il faudra faire en sorte d'ouvrir un petit peu de l'intéphar avant Shabbat. Ok? Ou bien, par exemple, ce store-là qui est dans la Mirpesset, je veux l'ouvrir pendant Shabbat, je sais qu'il va faire très chaud, je veux aller dans la Mirpesset. Ouvre-le en dehors du rouleau, on a dit. Il faut un tefar en dehors du rouleau. Ouvre-le de un tefar avant Shabbat. Pour être... Horizontal. Oui, non, pas celui-là. Ok, si, il est horizontal. Donc, ouvre-le. Tu as oublié avant Shabbat, et vraiment, tu as besoin de sortir, il fait très chaud chez toi, tu as le droit, pendant Shabbat, de l'ouvrir. Ok, c'est bon? Oui, pareil. Mais Karadine, tu vois, on a dit, c'est mieux d'être marmire, d'après on va dire, de l'ouvrir un tefar avant Shabbat. Mais si tu as été bloqué, ça veut dire, c'est pas, bon, allez, il fait beau, et viens, on sort, ils vont ouvrir le truc. Non, fais en sorte de l'ouvrir avant Shabbat, ok? Si vraiment t'es bloqué, etc., il dit, on va dire, tu pourras l'ouvrir même pendant Shabbat. Les maasés, on avait dit que c'était permis d'ouvrir et de fermer. Mais il faudra pas le fermer entièrement. Il faudra le laisser un tefar. S'il y a le tefar, là-haut. Les vrais parasols qui sont gros et tout, il y a toujours un haut, il y a un genre comme ça, très large. Ouais. C'est la structure qui est au-dessus. Oui, mais parce que tout l'ensemble, il fait que c'est un tefar, non? Il y a un genre de rond comme ça, moi j'ai même un truc comme ça, je sais pas si tout, il y a un rond comme ça qui est très large. Ah, qui est tefar. Et ça, après ça s'ouvre comme ça. Ah, alors c'est bien ça. Ces trucs qui sont comme ça. Alors, ça c'est bien. Oui, j'ai compris. Il y a un mât comme ça. En haut, il y a un gros rond qui fait un tefar sur un tefar. Donc quand il s'ouvre, il s'ouvre comme ça. Et quand il se ferme comme ça, mais il reste toujours avec un tefar de galère. Ça, c'est bien. Ça, d'après les Mekilim, c'est Mouta. Et d'après le Rav Ovadia, tu avais l'Achmir. Non, mais pas lui. Ah non, il y a déjà le tefar. Très bien. Très bien. Impeccable. D'après Moshe, c'est pas d'être Mouta. D'après Ovadia, c'est Mouta. D'après tout le monde, c'est un tefar. D'après tout le monde, c'est Mouta. Parce qu'il y a un tefar de base avant Shabbat. Ok? C'est juste les fins de Mouta comme ça qui. Non, comme ça. Cela, c'est. Non, tu rends. Les trucs que tu peux perfectionner, les vrais trucs, les préparations que tu mets vraiment. Non, mais les fins qui sont de plat, elles sont super fins. Non, ça, il n'y a pas un tefar de base. Personne n'utilise une chaise pour mettre. Non, il explique là aussi. C'est un niveau en dessous. Qui veut utiliser une chaise pour mettre plus? Non, il va mettre ses chaussures et ses trucs. Ouais, oui, oui. C'est un cabaret. Nous, on n'a pas ces trucs-là. On s'en fiche que ce soit habité quelqu'un. C'est comme les chaises pliantes à la plage. Là. Les gens, ils mettent leur sac en dessous et leur kiss et leur truc. Oui, quand ils l'ouvrent. Donc on utilise aussi ce cas-là. Donc c'est fait aussi. Ici, on parlait du cas où j'utilisais aussi. Non, pas neuf, parce que toi, tu parles de ces chaises-là. Non, on parle de chaises. Mets-toi dans la tête des chaises. C'est comme l'histoire du shulchan. On disait, ça change en fait par rapport au temps. Même dans le Shulchan, le Rajba, il disait qu'on n'utilisait pas. Vient le Ben Ishraï, tu dis non, on met des bouteilles. Ça, il y a toutes sortes d'utilisations, suivant les générations, suivant, je sais pas moi, chacun son habitude. Là, le klal, c'est ça. Le klal, c'est que même si tu utilises, comme c'est fait les Shem Prakim, enfin, Avid Vekai, alors c'est Mouta. Ok. Agav, dans ce saïf-là, on avait parlé de Halakha Lemaase, de l'histoire de mettre un toit au-dessus de la tête. Bon, ça, en fait, je ne sais pas si on va parler de ça tout de suite, parce que ce n'est pas vraiment quelque chose avec ce saïf-là. On va laisser ça par rapport à la suite. Donc là, on a fini jusqu'au saïf Zayin inclus. Ok, c'est bon? On continue, on passe au saïf Ret.
Kol Oel Meshupa. On a dit le Saïf Ret, il va ensemble avec le Yod et le Yod Alef. Alors, si vous voulez, on va commencer d'abord par le Tête, comme ça après on fera ensemble le Chet, Yod et Yod Alef. Tête d'abord. Page 247. Meshameret. Chez Tolinota, la tête bâche marim les sanénan, ou motrin pia les colzad, chachouv, asiat, oen, veasur lintota. Donc c'est quoi cette méchamérette là? C'est une sorte de. Comme une sorte de filtre en fait. Ça faisait office de filtre, mais en fait c'était un beged. C'est un beged qu'on mettait sur un kli. Voilà. Alors il te dit le Shulchan Aruch que c'est considéré comme oen. On a vu dans les Rishonim que c'est une machloquette. C'était quoi le problème? Il y en a qui disaient, parce que les gens qui vont voir faire ça, ils vont dire, ah, celui-là, il va filtrer. Donc c'est comme Maritain, comme on n'a pas le droit de tendre une kvissa, des habits mouillés pendant Shabbat, parce qu'ils ont dit, ah, celui-là, il a fait une kvissa. Celui-là aussi, il est en train de mettre un filtre parce qu'il veut filtrer. Et donc c'est une xéra de peur que les gens, ils vont. C'est comme un peu Maritain. Aval Shulchan Aruch, lui, nous explique que c'est un problème de OL. Et on avait dit, comme on voit à la fin du Siman, qu'ici, de quoi on parle? On parle d'un cas où c'est une. C'est une grande marmite. Vous vous rappelez de ça, comme on a vu à la fin du Siman. Ici, on est en train de parler de ce cas-là. Donc, c'est quelque chose de grand. Et donc, c'est pour ça que c'est considéré comme Oel. Mais si c'est Stam, un petit. Alors, d'après le Shulchan Aruch, ce n'est pas un problème de méchamère, de filtre. C'est juste un problème de Oel. Donc, d'après lui, on avait dit que si je mets juste un bad par-dessus pendant Shabbat, je n'ai pas de problème. Parce que ce n'est pas Oel. On a dit que le problème de Oel, c'est seulement si c'est un grand sire de Yeshiva. Ok? Là, les méchitot, elles sont déjà faites. Dans les bétim, je fais. Non. J'ai besoin du dessous, c'est dommage que le dessous. Si elles sont déjà faites, quand elles sont déjà faites, ça aide quand j'ai besoin du dessus et du dessous, c'est comme la mita. Ok. Là, c'est d'après le dessous. Ça aide pas que le méchitot. C'est pas déjà fait qu'il le méchitot. En plus, le méchitot, en plus. Si, le cli, il est déjà fait. On a dit que quand on prend un cli, on le déplace. Ah, on t'a pas parlé de déplacer. Je t'ai pas parlé de déplacer. À l'endroit. Donc ça devrait permettre encore plus la coupe au Shulchan Aruch. Pourquoi tu m'interdis, ils sont déjà faites, les méchitzot? Les méchitzot sont déjà faites. Sont déjà faites avant Shabbat. Ça n'aide pas. Ah, bien que les méchitzot sont déjà faites. Alors, là, j'utilise que ce qu'il y a en dessous. Ah ouais, parce que c'est uniquement ce qu'il y a en dessous. C'est uniquement ce qu'il y a en dessous. Mais c'est au même titre que les œufs. Il a raison. Pourquoi les œufs, c'est petit, c'est interdit, et là, c'est la petite marmite, c'est permis? Les œufs, c'est interdit. On a permis dans les œufs. Non, on a perdu dans les œufs. On a dit qu'il fallait le mettre d'abord au-dessus. Ah, ok, d'accord, ouais. Oui, mais dans les chamérettes, ça n'aide pas que les méchitzot soient déjà faites. Parce que j'ai besoin que du dessous. Quand est-ce que ça aide les méchitzot? Quand j'ai besoin du dessus et du dessous, comme la mita. Et là, j'ai besoin que du dessous, donc ça n'aide pas qu'elles soient déjà faites. Donc c'est pour ça que ça sort. Mais dans une petite marmite, c'est pas bien, on dit. On dit pour interdire, il faut une grosse marmite. Pourquoi une petite marmite, c'est pas interdit? Il y a les petits œufs, ça va. Non, nous, ce qu'on a dit que c'était interdit, ce qu'on a dit que c'est permis dans une petite marmite, c'est dans le cas où... Non, je me suis embrouillé en fait avec le Seif Yud Bet. Dans le Seif Yud Bet, là-bas, la personne avait utilisé ça en tant que kisouille. Là-bas, on a dit, si c'est une grande marmite, ça sourd, si c'est une petite marmite, c'est moutard. Mais là, il veut vraiment faire OL, dans le Seif ici. Comme on a dit ici. Alors, tu veux faire... Même si c'est un petit truc, ça sourd. Non, là-bas, c'est juste en tant que kisouille. C'est une chamérette ou c'est filtrage? Non, c'est pas filtrage. C'est une planche de bois. Pas pour filtrer. Il veut juste pour... en tant que kisouille. Mais un béguet en remplacement de son kisouille. Ouais, ouais. Il n'a pas le bon kisouille. Ouais, ouais. Là, il faut grand, mais sinon petit. Là, grand, pas... grand et petit. Par contre, petit, c'est quoi? Plus que c'est petit, ça m'a fait... Petit, ce serait permis là-bas. Petit, dans la baie du... Pourquoi c'est permis? Parce que... C'est pas exclusif pour... J'ai pas d'utilisation, moi, avec ce qu'il y a en dessous. Seulement, ça ressemble à une tsoura de OL. Alors dans ce cas-là, on te dit petit, c'est bon. Mais grand, c'est un problème. Grand, ça ressemble à OL. Bédiouk, c'est pas le même cas. Ok? Ça, c'est le Saïf tête. Donc je reprends. Saïf ret et Yud et Yud Alef, ça va ensemble. Alors, Kol OL Meshupa. Tout OL qui va en diagonale. Vous vous rappelez de ce cas-là? Là, chez N Begago Tefar. Il n'y avait pas un Tefar en haut. Velo Bepachon Mishlosha Samouch Legago Rochav Tefar. Et en descendant aussi non plus, il n'y a pas un Tefar. Alors ça, quel est le din? Arezé Oel Araï, donc c'est qu'un Issour Derabanan, Verosé Oto Lechatrila Beshabbat, Patour. Et donc pendant Shabbat, ça ne va pas être un Issour Deoraïta. Pourquoi ce n'est pas un Issour Deoraïta? Parce qu'il n'y a pas un Tefar. Et là, on avait ramené la fameuse Vara du Rambam, la Chita du Rambam et du Rif, qui te disent que lorsqu'il y a un Tefar, on parle ici du cas où il y a un Tefar, et que je vais le mettre pour longtemps.
là on a été mechadesh que quoi? Que c'est un issour de oraita. Étant donné maintenant ici que c'est qu'un issour, c'est qu'il y a moins de tefar, donc on te dit que quoi? Que c'est moutar. Quand c'est moins d'un tefar, c'est moutar minatora. Aval c'est assour mi de rabanan. Donc voilà, imaginez-vous, c'est le cas de figure comme ça. J'ai un petit pic qui descend comme ça de 3 tefachim, il n'y a pas encore un tefar. Ouais. J'aurai le droit pendant Shabbat, enfin minatora. Pendant Shabbat, j'ai le droit de l'ouvrir, mais ça assure quand même Midrabanan. Ça assure que Midrabanan. C'est bon ? La vérité, là, sur ce séifim, là, il y a une histoire du parapluie, la vérité. Les parapluies. Voilà, j'ai un parapluie, comme ça, un pic. Je veux l'ouvrir pendant Shabbat. J'ai le droit, j'ai pas le droit. Ouais. Non, c'est pas assure Minatora, parce qu'il n'y a pas de tefar. Ok, mais quand je vais l'ouvrir maintenant. Alors quoi ? Là, il va y avoir un tefar. C'est pour ça qu'il te dit. Donc ça, c'est un problème par rapport à la mitria. Seulement quoi ? Il y a l'histoire de la structure, Avid Vekai. Mais l'histoire de Avid Vekai, ça va me permettre les Khatrila ou pas ? Il dit non, ça va me, le Avid Vekai, ça va me permettre un issour des Rabbanan pour que ce soit moutard. Mais lorsqu'il s'agit d'un issour Torah, alors peut-être ça va descendre d'une darga, mais ça ne va pas descendre de deux dargos de dire que ça va passer de Issur Torah à Mouta. Pour ça qu'à l'Akhal et Maasé, le parapluie pendant Shabbat, on n'a pas le droit de l'ouvrir pendant Shabbat. Je fais un parapluie avec un alors maintenant il dit, ou bien plus simple, le câble, il est déjà ouvert avant Shabbat. Voilà. Est-ce que j'ai le droit pendant Shabbat de le mettre sur la tête ? Alors voilà. Voilà, alors attends, alors... Sur ça, il y en a, le Chazonish, il dit c'est un problème de maritaïne. Les gens disent, ah, qu'est-ce qu'il fait celui-là ? C'est Pharesia. En général, un parapluie, c'est pour dehors. Donc les gens, ils vont dire, ah, celui-là, il a fait son parapluie Shabbat. Hein, so. Il y en a d'autres qui disent tout simplement, ils disent que, à partir de tout, même s'il y a un héros, il dit le fait même que lorsqu'il est posé par terre, il a pas de fonction de OL. Et lorsque je le prends maintenant au-dessus de ma tête, alors je le rends en tant que OL. Ah, il est ouvert. Mais quand il est posé par terre, il n'a pas la fonction de OL. Quand je le mets maintenant, je le fais en tant que OL. Ah, tu vas me dire, mais quoi ? Je l'attrape avec la main. Non, mais c'est pas la main. Il dit parce que ça, c'est le derrière de l'attraper avec la main. Quand est-ce qu'on dit que c'est pas considéré comme un OL ? C'est seulement dans le cas où c'est pas l'habitude d'attraper par un talit pour les petits là. Là, c'est pas considéré comme OL. Pourquoi ? Tu permets dans parabole. Il est déjà en place, le parasol, il est déjà fixé. Il est déjà en position. Alors, là, il est déjà en position pas le... Non, il est en position zéro, là. Là, il est en le parasol, il est posé. Il y a déjà l'OL qu'il faut juste changer de... Il faut juste l'ouvrir. S'il est aussi posé en position de l'OL, le parapluie, je peux le prendre et mettre comme ça. Je peux prendre un parasol et le faire comme ça. Non, je n'ai pas parlé de ça. Non, parce que quand il est fixé au sol, le parasol, il est parapluie. Il est bien, mais si tu te mets en dessous. Mais si maintenant tu le prends dans ta main, tu le déplaces déjà, tu mets Vatel auto. C'est comme si le parasol. J'ai un parasol planté au sol. Si je l'ouvre et je le ferme, c'est bien. Mais prendre le parasol et de le mettre à un autre endroit, ça va être assourd. Parce qu'à un moment où tu vas le prendre, tu vas te mettre Vatel, chez Moël, mais nous. Il est déjà OL, mais OL mobile, c'est un problème. Si je le pousse comme ça, Ah ben il faudra que tu l'ouvres. Si tu l'ouvres. Il est ouvert en position, mais je pousse le socle. Il est déjà ouvert. Il est ouvert en place. Ah ok, d'accord, c'est s'il est ouvert déjà en place, oui, ok. Le problème c'est quand je le prends comme ça, il est par terre, je le prends comme ça. Pendant à ce moment-là, là, il est pas bon. Non, c'est pas pareil. Dans le parasol, il est comme ça. Je le déplace. Là, il est OL. À chaque instant, il est OL. Le parapluie quand il est par terre. Là, il est fixé. Ah, il est fixé au sol. Il est fixé. Il est en bonne position. Ok, très bien. Alors là, à ce moment-là, il est OL. Quand je le prends, à ce moment-là, jusqu'à ce que tu le mettes au-dessus de ta tête, ce passage-là, il n'est plus OL. Il est OL, soit quand il est fixé, soit quand il est au-dessus de ma tête. Mais quand il est là, le parapluie, je l'ai levé, il est là, à ce moment-là. Il est un petit peu plus que quand il était fixé. Mais déjà, c'est un chidouche de dire que lorsque tu l'attrapes à la main, c'est considéré comme OL, bien que tu l'attrapes, parce qu'on dit c'est le derrière. Mais c'est le derrière quand il a la fonction de OL, quand il est au-dessus de ta tête. Mais je peux sortir avec un parapluie comme ça devant moi ? Non, à ce moment-là, c'est pas considéré comme OL. Si Bémet, il pourrait abriter quelqu'un, quelque chose, le parasol, il est toujours OL. Il est en potentiel d'abriter. Il est en position d'abritage. Il est bien. C'est bon. C'est pas parce que je vais pas mettre dessous à ce moment-là. Non, parce qu'à ce moment-là, il est dans ta main. Il est dans ta main. Oui, c'est bidouk à ce moment-là. C'est ce qu'il dit le Rambam chez Lévi. Le potentiel, ça ne suffit pas. Il faut l'attraper dans ta main, au-dessus de toi. Et là, il va mettre, il est mishtamesh en tant que OL. S'il est à côté, il est en diagonale, là. Il a même pas le... Si, en diagonale. Utiliser
Mais tu l'utilises pas, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu as été mes vatel chez Morin Lumenou. Alors que le parasol, le parasol, il est déjà fixe. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le parasol, il est là. C'est vrai, j'ai pas besoin d'être tout le temps sous le parasol. Ben non, un OL, une maison, je suis pas toujours dans ma maison. Même si je suis dehors, c'est quand même un OL. Le parasol, il est fixé. Le parasol, je le change pas. Donc qu'il soit là, c'est pareil. Alors que le parapluie ici, il est fixé, ok, c'est bien. Mais quand je le prends à ce moment-là, étant donné qu'il va pas rester, il reste pas à cet endroit-là. Il est un moment zéro à cet endroit-là. C'est vrai, après je vais le mettre sur ma tête et là ça va être c'est pas son endroit fixe. C'est pas le parasol quand il est posé par terre, il est fixe là, à chaque instant il est fixe par terre. Alors que dans le parapluie, il est fixe soit quand il est fixé sur le parterre, soit quand il est sur ma tête, quand je l'utilise en tant que parasol. Mais quand il est dans ma main et qu'il n'est pas utilisé en tant que parasol, c'est comme si le parasol il est posé par terre et je le soulève et je le mets ailleurs. Ça aussi ça va être à soi. Parce qu'à ce moment-là il n'est pas fixé. Alors la casquette parapluie. Il est sur ta tête. Avant Shabbat. Mais je mets sur ma tête avant Shabbat, je laisse comme ça. Il a la fonction d'OL, il est tout le temps sur moi, etc. Ben c'est bien ça. Tu peux sortir avec moi en Shabbat ? C'est bien. Pas de maritime machin ici. Maritain, déjà, c'est un chidouche, on l'a dit, parce que c'est quelque chose de grand, il dit le chazoni, c'est un grand parapluie, etc. Mais si c'est une casquette, c'est pas... Ouais, non, si il est avant Shabbat, ça va être bon. Mais là, on est d'accord que le parasol, vous savez, les gros parasols... Qui ont un gros socle. Hein ? Avec un gros socle. Un gros socle, il y a des roues. Non, ça va être moutin. Il y a déjà le départ, je vous le dépasse ici. Ah, ça, ça va être moutin. C'est moutin, ça ? Oui, ça, c'est moutin. Parce que j'ai jamais enlevé la kviout qu'il a dans le parasol. Ouais, je peux pas le porter, c'est super bon. Si tu le portes maintenant, si tu le prends en l'air, oui. Eh ben c'est fichu, tu me vas-t-elle la kviout. Et là, c'est un problème. Vous avez vu ça, en fait. Non, c'est Ramoshé Lévi qui dit ça. Non, mais non, Khatama. Bon, si je le lève, je veux pas le rouler par terre, il n'y a pas de roue dans les... Je le lève. Ah, tu me vas-t-elle la kviout. Ben, je veux le déplacer. Eh ben, il faut que tu le fasses rouler, il faut qu'il soit... Il faut toujours en vertical. Il faut pas que tu le bouges en l'attrapant dans ta main. Parce que quand tu le bouges en l'attrapant dans ta main, alors ça s'appelle plus, hein. Ça s'appelle plus. Le jardin et petit truc de plage, etc. Que là, je prends, je l'enlève, je le mets. Ah bah oui, on n'a pas parlé de ça, nous. De ce qu'on a parlé, c'est tout le temps dans le cas où c'est faux. Non, c'était déjà ouvert. Avant Shabbat. Ah, oui. Tu veux le mettre un autre. Non, le prendre dans la main et le déplacer, c'est pas bon. Les parasols, moi, je comprends quand il est ouvert, mais à l'envers. Je le prends et je le fais. Là, oui, j'ai créé quelque chose. Non, il dira Moshe Lévi même s'il est... Non. Je vois pas que ça change. Parce qu'il n'est pas fixe. À l'endroit. Il te dit... Il n'y a pas d'exigence qui soit fixe. Ben si, il faut... Parce que quand il n'est pas fixe, alors c'est pas un OL. Et maintenant, il te dit, le Moshe Lévi, quand tu le prends et tu le mets sur ta tête, là, maintenant, tu l'as rendu OL. Une tente d'enfant qui est déjà montée, je la prends, je la mets là, de là à là. J'ai créé un OL, elle est déjà montée, la tente d'enfant. Ou la tente, n'importe quoi. Il y a un problème. Je la prends, je la mets là. C'est une tente que je peux prendre avec la main. Ah ouais, elle est déjà là, posée. Il y a des temps qui se bougent comme ça pour les enfants. Non, alors. Moi aussi, je comprends pas quand je comprends la Svara. Donc, il dit, la construction est déjà faite. Là, on est dans un problème de déplacer une construction. D'accord. Parce que là-bas, le OL, tel quel, la petite maison, elle est toujours là. Cette maison telle quelle, c'est considéré comme un OL. C'est considéré comme un OL, même si je l'attrape dans ma main, parce que ma main, là, elle n'est pas ma chpia sur le fait que c'est un OL. C'est un OL tel qu'il est, même s'il est en l'air, c'est un OL. Alors que le parapluie. Dedans, quand je la dépasse, non, non, Chané, c'est un OL, il a toujours le chêne d'OL. Aval, il a un chêne d'OL. C'est une petite maison. Alors que le parapluie, quand il est posé par terre, il n'a pas de chêne OL. Seulement lorsque BME, tu l'utilises en tant que tabrité. Donc quand il est en diagonale dans ta main, alors. Bon, mais à un moment, tu le lèves. Un parapluie, il est en l'air, il n'est pas comme une c'est pas un parapluie, c'est pas OL. Non, c'est ce qu'on dit. Le parapluie, c'est quoi son chimouche tel que c'est utilisé, il faut que tu sois en dessous. Si tu n'es pas en dessous, même s'il est ouvert, c'est il est comme ça. Même s'il est debout, non. Ça sert à rien. Sauf s'il est fixe. Il n'est pas un chimouche. C'est pas comme un OL que je déplace en l'air, etc. Même s'il va être en L, c'est un clé, ça s'appelle Shem OL. L'obatel, mais maintenant Shem OL. Alors que le parapluie, seulement il a un chimouche quand tu l'as dans ta main, quand tu t'abrites Befoal. Le parasol aussi, il dit c'est pareil. Ben, c'est pareil le parasol. Sauf s'il est. Eh ben, c'est pareil. Aussi. Ah, aussi, ça va être un saut. C'est comme le parasol. Sauf s'il est fixe par rapport au sol. S'il est fixe par rapport au sol,
Alors, j'ai pas d'obligation, moi. Il n'est pas mafkia son chimouche. Son chimouche, c'est quand il est fixé à un endroit, soit dans ma main et je suis en dessous, soit il est fixé au sol, même si je ne suis pas en dessous. Là, mais j'en ai. Là, c'est un OL. Maintenant, lorsque je le prends, je le déplace. Alors, ça y est, ça ne s'appelle plus un chez moi. Le chez moi, c'est là. Vous savez, il y a les paradoxes qui sont sur la table, dans un trou. Il est ouvert. Tu peux déplacer la table, on est d'accord, ça? Oui, oui, bah oui. C'est bien. J'ai pas. Parce que je l'ai pas, j'ai pas été mes vatels lui-même chez moi. Le chimouche de ce truc, c'est seulement lorsque soit il est fixé, soit qu'il est sous ma tête. Le parasol, si je le déplace, c'est comme le OL que je déplace. Ça, c'est moutard. Parce que tout le temps qu'il est fixe au sol, alors c'est OL à chaque instant. On va dire que le parasol, c'est vraiment un truc à part. Il y a vraiment un chimouche à part. Non, le parasol, c'est si je le mets sur ma tête, il prend vraiment son chimouche. C'est à ce moment-là qu'il vient chez moi. Quand il est en déplacement, il n'a pas de chez moi, sauf s'il est fixe. Soit il est fixe sur un mur ou par terre, soit il est sous ma tête en attrapant la main. Dans une table, je déplace la table, c'est bon. Pourquoi c'est bon? Ben parce qu'à chaque instant, je vois que c'est un chez moi, c'est pas grave. Mais ça, on a dit, c'est comme le parasol. Qu'il soit à droite ou qu'il soit à gauche, c'est pareil, il n'a pas perdu son chez moi à aucun instant. Si je fais en sorte qu'il ne perde jamais son chez moi, je suis en dessous sur une table, je complique le cas, mais je suis dans une table. Il y a le parapluie qui est normal à cause de la terre, etc. Je me lève, je prends le parapluie et je vais comme ça. Il n'a jamais perdu son chef. D'après le Cheshbon, oui, ça, dans ce cas-là, c'est seulement dans ce cas-là que ça devrait permettre. Ouais. Ah ben, les masseurs, on a dit que c'est un problème de pire, ouais, ça, etc. Ouais. Mais effectivement, d'après le Cheshbon, oui, ça devrait être bon. Parce que jamais tu as été mevatel mimeno shemoel. Maintenant, le Seif, Yud et Yud Aleph. On avait déjà parlé de ces deux séifim, là on les relit. Talit kfula shayo le achoutin shaytat luya ba'em erev shabbat mutan litota mutan leforka vechen parochet. Donc ça, c'est le talit là, qui était posé sur une barre. Est-ce que j'ai le droit de l'ouvrir pendant Shabbat? Si ce n'était pas ouvert d'un tefach avant Shabbat, on a dit seulement s'il y a des fils incorporés déjà sur le talit avant Shabbat, on a dit donc on a le droit de l'ouvrir. Ils n'ont pas ramené de la chalimassi sur ce saïf-là. Ah. Sur le saïf d'Alef. Je suis là sur le saïf prête. Le OEL qui ne choupa. C'est OEL pareil. D'accord, je comprends la Sbarra. Pourquoi? En quoi ça dérange qu'ils sont... En quoi c'est moins que quand il est en pic, au contraire, c'est une Sbarra pour être mécan. Oui, c'est ça. Pourquoi ça descend dans le binyan? Pourquoi c'est pas comme un OEL? Ah, mais parce que s'il n'y a pas de... Parce qu'il n'y a pas de gag. Il n'y a pas de rail. S'il y a un gag de un tefar, alors c'est considéré comme un gag. Et donc il dit le Rambam que c'est de Horaïta, si tu veux le faire. Un gag de un tefar, c'est pas un gag. Si un gag qui n'a pas tefar ou qui a... Oui, ah, parce que c'est pas Oel. Parce que c'est des clélims qu'on a vu dans Touma Vetahara. Pour que ce soit un dit de Oel, il faut tefar al tefar. Quand c'est moins de un tefar, c'est pas un Oel. Ah, après tu vas me dire, mais après ça s'étend. Ah, ça on a dit, je suis pour Léon. On peut pas bien s'abriter dedans. Non, c'est pas Oel. Non, c'est pas ça. Non, c'est. Comme Allah Khalem Moshe Missinal, on a pris ça de Touma Vetahara. Touma Vetahara, que c'est un problème de. Du moment qu'il y a un tefar, c'est un gag. Et le Yud Aleph, Kila Tratanim Shen, Begaga Tefar, Velo Bepachon Mishlocha Samoch, le Gaga Rochav Tefar. Donc on a dit, c'est le même principe en fait que le Saïf Chet, donc ça part en pic. Oil Sheim et Tukenet Lekar. Là, dans ce cas-là, on n'aura pas besoin d'avoir des fils pour pouvoir l'ouvrir, cette Kila Tratanim, donc c'est le tissu là, qui était au-dessus des lits des Tratanim, parce que la structure, pas, dit parce que c'est quelque chose qui lui est réservé à cet endroit-là. On a dit toute chose qui lui est réservée à cet endroit-là, on a le droit donc de l'ouvrir pendant Shabbat. Moutan les Dota, Moutan les Forka, vous, Shelotem, Shulchalet, Meal, Mita, Tefar. Allez, les deux derniers séifim, sur ça aussi, il n'y a pas vraiment de halakha le maasé. Il ramène ici juste l'histoire là, du Talit, on a parlé plusieurs fois au-dessus des enfants pendant. Simchat Torah, on a dit que c'est moutard pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est attrapé à la main, et c'est pas le derrière de l'attraper à la main, contrairement au parapluie. Et deuxièmement, parce que je fais ça uniquement de l'échem. Non, il n'y a pas de mechitzot, donc c'est moutard. Pas pour me protéger. Et les derniers, c'est film, comme ça, après on passe à Chanouka. Yudbet, anote, parochet, vechayotseba. Tzarich lizer, shelo yase oel, beshaa, shenote. Vous vous rappelez de cette halakha là qui était tzarich yun un petit peu. Parce que je vais mettre une parochet, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas un tefar. Bien que je ne suis pas mis de kaven et c'est pas kayama, etc. Alors ça va être assour. Le fichach, imi parochet, gdola, tolinota, shnei. Pour que ce soit mouta, il faut qu'il y ait deux personnes qui te l'attendent. Aval, echad, assour. Vimaita kila sheesh la gag, en motrinota va filo asara, sheyef cherche le tigba, meat, mea la arête, vete assez oel araï. Bon, je ne veux pas m'attarder sur ce séifim parce qu'on a dit qu'ils ne sont pas vraiment à la chalemassé, juste qu'ils sortaient à la chalemassé de ce séifim là, c'est que pour interdire, il faut que ce soit pas attrapé à la main,
mais posé sur une barre. Et puis deuxièmement, que j'ai la kavana de mechitsa, c'était le cas du Shulchan Aruch. Mais dans le cas où je l'attrape avec la main, même si je fais ça en tant que mechitsa, par exemple, je mets quelque chose au-dessus de ma tête, je mets un manteau au-dessus de ma tête à cause de, sur la, sous la pluie, j'ai le droit ou pas pendant Shabbat? C'est moutard, parce qu'il n'y a pas de mechitsa, c'est avec la main. Ok. Ou bien, si c'est en tant que mechitsa, mais je l'attrape avec, avec la main. Je mets une porte, par exemple, il y a des gens qui passent devant ma maison, je n'ai pas de porte, je vais attraper ça avec la main. Aussi, j'ai le droit, bien que j'utilise en tant que mechitsa, mais comme je l'attrape avec la main, c'est moutard. Ok. Saïf Yud Gimel, le dernier saïf. Beget Sheshotrim Alpi Achavit Lechasot, Lo Ishtachen Al Penekulo Mishum Oel. Donc là, on a dit que quoi? Ouais, donc là, j'utilise juste en tant que chavit, en tant que kisoui. Donc je vais mettre ça. Donc on a dit, c'est seulement une chavit qui est très grande. Et il te dit que c'est interdit de le couvrir complètement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit moutard? Il y a une yarkzat, mais maintenant rigoler. Je ne recouvre pas tout. Je laisse une partie découverte. Ça, ça va être moutard. OK. Après, il précise, vanem ilek shakuba chasera tefar. Il faut qu'il y ait un tefar d'espace entre le tafshil et puis le gag. Mais si le tafshil va jusqu'en haut aussi, ça va être moutard. Donc pour que ce soit interdit, il faut qu'il y ait un tefar et il faut recouvrir complètement. Et il faut que ce soit aussi... S'il y a des poignées, c'est bon. S'il y a aussi des poignées aussi, ça va être bon dans tous les cas. Donc aussi, sur ça, il n'y a pas aussi de la halama assez qui ramène. Donc on a fini avec ce siman. C'est quoi l'histoire du tafshil qu'il avait dit sur le porte? Quand tu n'as pas la part comme ça, il m'a dit qu'il va faire une mechitsa justement à la place d'une porte. Est-ce que même dans ce cas-là, ça sort? C'est Rabbeinu Hananel. Ouais, mais on ne tient pas comme ça, non. On est pour ça que là. Donc en fait, le gros des halakha les maasé dans ce siman-là, c'est le début, jusqu'au Saïf Zayin. Allez, on fait un peu de halakha Hanouka.